Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique. Je préfère dire bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous vous saluons ce matin dans le nom de notre chef suprême des armées, chef du gouvernement de tout l'univers, Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un dit un bon amen. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette semaine où Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a rafraîchi, Dieu nous a parlé. Dieu nous a visités, Dieu a guéri plusieurs témoignages de guérison, de libération, de restauration, plusieurs témoignages de percées surnaturelles que Dieu fait. Dieu honore toujours ceux qu'il honore. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, on peut venir à plusieurs comme on est venu ce matin, mais quand on se tient dans la présence de Dieu, on se tient seul. Donc ne dépend jamais de ton voisin pour réagir ou pour parler à Dieu. Non, quand on dit levant nos mains, si le voisin n'a pas levé sa main, mon ami, dans cette affaire-là, c'est chacun pour soi et puis Dieu pour tout le monde. Moi, je viens pour honorer Dieu, mon ami. Si tu n'as pas envie d'honorer Dieu, quelqu'un va le faire à ta place. Amen. Dis amen et je continue. Amen. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous voulons rentrer tout de suite dans la parole de Dieu. Dieu est en train de nous parler depuis plusieurs mois maintenant de l'importance à la suite de la résurrection de Jésus le Christ. Il a fait de nous, ceux qui croient en Jésus, sont devenus des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu ce matin? Ah oui, mon ami, si tu dois au moins être fier d'une chose, c'est que ton statut a changé. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du diable, tu n'es pas un enfant de ce monde, non. Tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le propriétaire, c'est-à-dire, il y a même le propriétaire de l'univers tout entier, a dit que toi, il t'a adopté et il a fait de toi son enfant. Et comme tu es son enfant, tu es aussi son héritier. Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu dans ce lieu ce matin? Ah oui, mon ami. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous avons donc un héritage. Mon ami, tu as un héritage qui est glorieux en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit depuis plusieurs mois maintenant que cet héritage, c'est tout ce qu'il nous a donné. Et Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien que Dieu va faire. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Et pour cet héritage, pour le posséder, il faut le conquérir. Et pour le conquérir, il faut engager la force. Et depuis plusieurs semaines, nous parlons de la force de la foi. Il faut engager la force de la foi. Parce que si tu peux croire, alors toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le plus grand drame, le plus grand problème chez nous, les hommes, ce n'est pas le fait que nous ne prions pas, non. Mais nos prières ne sont pas accompagnées, ce ne sont pas des prières de foi. On n'obtient rien par la prière, mais on obtient par la prière faite par la foi et avec la foi. Nous avons vu ensemble qu'il y a en vérité, il n'y a aucun problème sur la terre. Non, les seuls problèmes que nous rencontrons sont des problèmes de foi. C'est triste à dire, mais tous les problèmes que tu rencontres, que tu rencontreras demain, sont des problèmes de foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, ayez la foi de Dieu. C'est ce que tu as reçu quand tu es né de nouveau. Quelqu'un me dit, amen. Tu l'as reçu dans une mesure, petite quantité. Et maintenant, c'est ta responsabilité de faire grandir la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire semaine après semaine. La foi de plusieurs ici a commencé déjà à bondir. La foi de plusieurs a commencé à grandir, a commencé à se fortifier. Dis-moi un bon amen et je continue. Et depuis 3 ou 4 semaines, nous sommes en train de parler des ennemis de la foi. Nous sommes toujours sur engager la force de la foi. Et Dieu veut que tu comprennes la puissance, le mystère de la foi. Puisque tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Et rien n'est impossible à celui qui a la foi. Donc tu comprends que tout dans la vie est résumé par la qualité de ta foi, par le niveau de ta foi. Il est dangereux, on a dit, d'avoir une petite foi. La plupart des croyants, ils sont nés de nouveau, mais ils opèrent dans une foi qui est petite. Et c'est ça le drame. On peut faire beaucoup de choses avec la petite foi, mais elle ne dure pas puisqu'elle est petite. Elle a fait couler Pierre, il a commencé, mais il a fini par sombrer, il a fini par couler. Pourquoi? Sa foi était petite. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Pourquoi? Sa foi était petite. Et nous sommes en train de voir toujours dans la conquête par la foi. La foi est un élément déterminant. La foi est une force déterminante pour vivre la marche dans le Seigneur. De toute manière, la vie chrétienne, c'est la vie par l'Esprit et par la foi. On marche par le Saint-Esprit et on marche par la foi. Selon qu'il est écrit que mon juste vivra par sa foi. La foi, ça doit être le moteur qui te fait vivre. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien faire. Quelqu'un me dit amen et je continue. Voilà pourquoi il est indispensable d'apprendre à comprendre la foi. Et on va petit à petit. Dieu veut que tu sois un géant de la foi.
un héros de foi. Il veut que ton nom soit dans le livre des héros de la foi. Et ton nom y sera. C'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Et nous parlons actuellement des ennemis de la foi. Nous parlons des ennemis de la foi. Donc comment protéger son cœur contre l'incrédulité? Car nous avons vu que l'incrédulité est un redoutable ennemi de la foi. Vraiment, l'incrédulité, c'est un danger terrible. Dis avec moi, l'incrédulité. On a vu que les disciples n'ont pas pu chasser les démons à cause de leur incrédulité. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs types d'incrédulité. On a vu qu'il y a l'incrédulité qui se manifeste par les soucis, les inquiétudes. C'est de l'incrédulité. Ça tue la foi. Ça annule la foi. Ça bloque la foi. Le mot incrédulité vient du mot grec apistis ou apisteo, qui veut dire, c'est quoi l'incrédulité? C'est une force. Dis avec moi, c'est une force. Une force qui vient casser ta foi. Une force. Quand tu veux manifester la foi, quelque chose se lève pour annuler la foi, pour s'opposer à ta foi, pour bloquer, pour paralyser ta foi. L'incrédulité, ce n'est pas toujours l'absence de foi. Non, c'est que la foi, elle vient, mais elle est attaquée par les circonstances autour de toi. Les soucis viennent, ils viennent de tuer ta foi. Et Jésus nous a dit, refuse les soucis. Fais confiance à Dieu, il est fidèle. Dis amen. Nous avons vu, attention à l'incrédulité. Dis avec moi, attention à l'incrédulité. Ah oui, personne n'aura une foi grande comme celle de Jésus si tu n'as pas appris à garder ton cœur, protéger ton cœur de toutes les formes d'incrédulité. L'incrédulité est un piège. Et dans ce monde des ténèbres, il y a toujours un bras de fer entre incrédulité et foi. Foi et incrédulité. Il y a quelqu'un qui est venu me voir hier, femme de Dieu, pasteur. Elle dit, pasteur, je voulais vous voir pour que vous priez pour moi. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, parce que je crois en Dieu, mais on m'a découvert une tumeur dans le sein. Une tumeur dans mon sein. Je crois, mais priez pour moi. Tu as vu, non? Elle voit la boule. Oh, son mari aussi est pasteur. Ils étaient là tous les deux. J'ai dit, votre problème, ce n'est pas le problème de la tumeur, c'est un problème de foi. Tu as vu, quand je dis, fais attention à l'incrédulité qui vient de tes cinq sens. C'est-à-dire que ce que tu vois peut te faire peur. Ce que tu vois peut te paralyser. La tumeur est là. Va prier. Tu dois apprendre à vaincre l'incrédulité. Quiconque ne sait pas vaincre l'incrédulité. Quand l'incrédulité frappe, tu dis non. Quiconque ne sait pas le faire va subir les foudres, les calamités, les tourments de la vie. Alors que Dieu avait préparé un moyen pour sortir. Mais on ne peut s'en sortir que par la foi. S'il n'y a pas de foi que tu manifestes, là où la maladie était venue, elle va te détruire. Alors que la maladie aurait dû être chassée par la puissance de ta foi. Quand la maladie rentre dans un corps et que le corps en question dit « Ah non, pas chez moi, pourquoi ?» Tu plaides ta cause par le sang de Christ, je refuse. La maladie va dire « Ok, je me suis trompé de porte, je vais chez ton voisin. Va chez mon voisin. » Quelqu'un dit « Amen. » Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu entends. Ce qu'on entend nous affecte. Ce qu'on voit nous affecte. Et ça crée la peur. Et la peur emmène le doute. Ce sont des formes d'incrédulité. Ce sont des bandes de criminels. Une famille de bandits. Laquelle? Monsieur Peur. Et Madame Doute ou Monsieur Doute. Qu'importe. Le doute et la peur sont des parents d'une même famille. Commence par la peur et la peur emmène le doute. Et quand le doute est là, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, dégage. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais il y a une condition, il y a une condition. S'il ne doute pas, tu dois apprendre à combattre le doute, à vomir le doute. Quand le doute vient, tu dis non, Dieu est fidèle. Comment est-ce qu'on combat le doute, mon ami? Une des manières les plus stratégiques pour combattre le doute, c'est de t'appuyer. Pas sur toi, mais sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Mon ami, le jour où tu acceptes que Dieu est fidèle, tu vas traverser les tempêtes de la vie. Parce que tu sais qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. S'il permet une épreuve, t'inquiète pas, la voie de sortie aussi a déjà été tracée pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu est
fidèle. Il ne permettra pas que ton pied trébuche. Tout ce que tu endures aujourd'hui, tu l'endures parce que Dieu est fidèle et il sait que tu es capable de supporter. C'est toi qui ne sais pas que tu es capable de supporter. Dieu a déjà dit que tu es capable de supporter. Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà pourquoi je lui dis toujours, quelques années plus tard, tu vas dire, ouf, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que Dieu a été fidèle. Quelqu'un dit amen. Prends la parole de Dieu au sérieux. Je répète, prends la parole de Dieu au sérieux. Quand Dieu dit quelque chose et l'homme dit quelque chose, bouge tes oreilles sur ce que l'homme a dit. Mets ta confiance sur ce que Dieu a dit parce que Dieu est fidèle. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu est fidèle. Abraham, tu auras un enfant. Oh, mais tout chez moi ne marche plus. J'ai dit que tu auras un enfant. Je te donnerai une descendance. Il s'appellera Isaac. On l'appelle l'enfant de la promesse. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand la promesse se manifeste, en général, tu oublies même les années de pleurs, les années de doute. Tu dis, oh, tu te concentres sur la bonté, la grâce de Dieu. Et tu te rappelles à quel point Dieu est fidèle. Quelqu'un dit amen. J'aime ce Dieu qui est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Protège ton cœur du doute. Tout le monde est confronté au doute. Le doute vient avec la peur. Tout le monde est confronté au doute. C'est une association de criminels. Peur et doute, ils travaillent ensemble. Quand tu as peur, tu vas douter. Quand tu doutes, c'est que tu as eu peur. À cause de quoi? Ce que tu as vu, ce que tu as entendu. La foi ne marche pas sur la base de ce que j'ai vu, j'ai entendu. La foi, elle s'appuie sur ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, mais Dieu l'a dit. Tout ce que j'entends, ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que Dieu a dit. C'est tout ce qui m'importe. Et je me tiens sur la base de ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit amen et je continue. Donc on a vu l'incrédulité qui se manifeste par les soucis, par la peur, par le doute, qui ne sont que les sens naturels. Maintenant, il y a un type d'incrédulité qui est très néfaste, très dangereux, mais alors qui est subtil en même temps. N'oublie pas, l'incrédulité, c'est un ennemi de la foi. Et il faut s'en protéger. Oh. Il faut s'en protéger. Une fois par an? Non, tous les jours, à tout instant, à tout moment. Parce qu'à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, tu peux être exposé à toutes sortes de choses. Tu es au bureau, on t'appelle, on dit, oh, un accident vient d'arriver. Non, non. Quand tu le comprends, quand tu ne comprends pas, quand tu comprends, réagis par la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On va. Et c'est une attitude à avoir. Déjà, quand tu fais ça là, tu entends de protéger ton cœur de l'incrédulité, de la peur, du doute, de l'angoisse, de la panique. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Réagis. Mais ça vient de ce qui est dans ton cœur. Le problème, c'est que beaucoup, le cœur est vide. Il n'y a rien. Quand on cherche la parole que tu as méditée, il n'y a rien. C'est ça le drame. Le drame. Tu vas à l'église, mais où est la parole que tu as méditée? Nous sommes dimanche. De lundi, depuis dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui. Qu'as-tu fait de ton temps? Ne réponds surtout pas. Qu'as-tu fait de ton temps? Ne réponds surtout pas, je te dis. Je parle à toi et à ton voisin. Quelqu'un me dit aïe. La qualité de la parole que tu manges détermine la réaction que tu auras au jour de l'adversité. Le drame, c'est que les gens n'ont pas la parole. Alors tu viens à l'église, tu as l'air grande taille, tu mets le fond de teint, les costards, les cravates ou les chemises, qu'importe. Mais spirituellement, tu es pire qu'un spaghetti. T'as déjà vu le spaghetti? Quand le diable te voit, tu recules. Au nom de Jésus, je recule. Seigneur, aide-moi. Alors qu'il y a des gens qui ne reculent jamais. Il y a des gens qui sont instoppables. Il y a des gens qui sont imperturbables. Il y a des gens qui sont inébranlables. Pourquoi? La qualité de la parole détermine la qualité de ma réaction au jour de l'adversité. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit amen. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de lourd spirituellement. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui médite la parole en abondance. Tu as beau tourner, on reviendra toujours sur la qualité de la parole qui est assise, que tu as médité.
n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Au commencement était toujours la parole. Tout ce qu'on va faire là, ça va toujours revenir à la parole. Veux-tu être fort? La parole. Veux-tu être puissant? La parole. Consistant? La parole. Réussir dans ta vie? La parole. Tout, c'est la parole. Tu méprises la parole, tu méprises ton destin. Tu méprises ton avenir. Et quelqu'un dit amen. Amen. Voilà, je suis en train de parler parce que je sens l'esprit interpellé plusieurs ce matin. Dis amen. Et reçois ces paroles. Dieu parle toujours pour ton bien. Dieu parle toujours pour ton bien. Il veut te ramener à l'essentiel. Tu accordes plus d'importance aux futilités, aux activités. Oh, mon boulot, mon travail, mon sport, machin. Et tu n'accordes que rien, que peu d'importance à l'essentiel, la parole. Ton avenir est déterminé par la qualité de la parole que tu as méditée. Au jour du malheur, au jour de l'adversité, au jour de la persécution, c'est la parole que tu as qui va t'aider. Rien d'autre. Quelqu'un dit amen et je continue. Donc ce matin, je voudrais commencer, je ne terminerai certainement pas, mais regardez une autre forme, et ce sera la dernière, une autre forme d'incrédulité. Cet ennemi terrible de la foi. Et cette forme d'incrédulité, elle s'appelle l'offense. Dis avec moi l'offense. Dis avec moi le scandale. Matthieu chapitre 13, verset 54. Suis attentivement la parole du Seigneur. S'étant rendu dans sa patrie, en parlant de Jésus, il enseignait, il s'est rendu où? C'est-à-dire dans sa maison, son pays, sa ville d'origine, le lieu où il a grandi, le lieu où il était, où tout le monde le connaît. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Étaient, et il disait, ça entre parenthèses, c'est quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Il a commencé le mandat pour lequel le Père l'a appelé. Lorsqu'il a eu la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Il était un homme ordinaire jusqu'à l'âge de 30 ans. Il était né sous des prophéties angéliques. Les anges sont venus. Ils l'ont célébré. Ils lui ont apporté des cadeaux. Les mages ont apporté des cadeaux. Les anges ont chanté. Ils sont apparus. Tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais l'horloge de Jésus n'a commencé réellement à travailler qu'à partir de 30 ans. Entre 0 et 30 ans, ce Jésus de Nazareth n'a rien fait. Il était monsieur tout le monde. Il était exactement comme tout le monde. Les gens mouraient, il ne faisait rien. Les gens étaient malades, il ne pouvait rien faire. Il était capable de ne rien faire. Il savait qu'il était en mission sur la terre. Même maman Marie lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu as une mission, non? Je me rappelle il y a 25 ans. Ça, c'est quand il avait 25 ans. Mais Jésus, qu'est-ce que... Ah, mais les anges qui ont dit qu'un sauveur était né... Ah, toi, là, quand je te vois, là, petit. Mais je ne vois pas clair. Hein? Qu'est-ce que tu fais, petit? Le temps passe. Il attendait le jour J. Le moment M. L'instant I, le temps T. La seconde S. Où le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit... Le jour de son baptême a quitté le ciel. On l'appelle l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Où il est venu, il a quitté le ciel. Sur une forme de colombe, il est venu. Pff, il a rempli Jésus de Nazareth. Ça a été la rencontre entre le divin et l'humain. Entre le Père et le Fils. Et là, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il fait toute ma joie. Ha! Jésus a dit, enfin, les affaires sérieuses vont... Commencez. Oh, quelqu'un dit amen. Donc les affaires sérieuses commencent quand on rencontre la personne du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le glorieux Saint-Esprit? Oh, oh, il est Dieu. Il est appelé l'Esprit de Dieu. Et il est Dieu. Il est sort du Père et il vient habiter en nous. Béni soit celui qui a été envoyé par le Père. Et par Jésus le Christ, béni soit l'Esprit. Dis amen. Dis amen pour le Saint-Esprit. Dis amen. Asseyez-vous. Alors, je te mets dans le contexte. Il se rend maintenant qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il va dans sa patrie, dans la maison, la ville où il a grandi. Et il se met à enseigner dans les synagogues. Et on l'écoute. On l'écoute. C'est la même personne qu'on voit. Son corps n'a pas changé, mais son langage a changé.
La Bible dit qu'il enseignait avec autorité. On dit, oh, petit, et toi, on te connaît. Dis amen et je continue. Amen. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, oh, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces miracles qu'il fait? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie? On connaît ta maman, petit. N'est-ce, ne sont pas là? On voit Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Mais enfin, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Dis amen. Ils étaient tourmentés. Ils ne comprennent pas. Mais regarde la suite. Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. La version, l'autre version dit, ils étaient scandalisés à cause de lui. Ou encore, ils étaient scandalisés en lui. Dis amen et je continue. Mais Jésus leur dit, écoute, quand ils voient le fait qu'il est un sujet de scandale, qu'à cause de lui, les gens ont un problème. Et Jésus leur dit, écoute, hein, le Dieu manifesté en chair, qui a accompli des miracles partout, mais il vient dans sa patrie. Il était pour eux une occasion de chute, où ils étaient encore scandalisés. C'est-à-dire, ils étaient offensés. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Et certaines versions ajoutent, parmi ses parents. Et le verset 58 est terrible. C'est un verdict terrible. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi? L'homme des miracles, l'homme de l'onction, l'homme des prodiges, il ne fit pas où? Dans cet endroit, dans sa patrie. À cause de quoi? Leur manque de foi. Il dit leur incrédulité. Tu as vu? Leur incrédulité les a paralysés. L'incrédulité empêche la foi de se manifester. La foi emmène les miracles. Là où il y a l'incrédulité, les miracles ne peuvent pas se manifester. Il y a des lieux où des miracles ne peuvent pas se produire. Il y a des lieux où Dieu veut agir, mais ne peut pas agir. Pourquoi? Atmosphère d'incrédulité qui s'oppose à la foi. L'incrédulité est un tueur de la foi. Pourquoi Jésus, toi qui transportes toute la puissance de Dieu, ailleurs tu as fait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, mais chez nous, tu n'arrives pas à agir, tu n'arrives pas à manier, Dieu ne peut pas toucher. La version, dans le livre plutôt de Marc 6, le même récit, il nous dit, il nous précise, il nous dit, il ne put faire là aucun miracle. En fait, ça veut dire qu'il en a fait un petit peu, si ce n'est qu'il n'imposa les mains à quelques malades. Tu entends? Quelques malades. Ailleurs, les malades étaient guéris en Syrie. Guérison, guérison, miracle, miracle. Mais ici, là, dans sa patrie, quelques miracles seulement. Et verset 6, il dit, il s'étonnait. Il était choqué de leur... Le mot qu'on utilise au verset 57, où il dit, il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Ils étaient scandalisés. Le mot utilisé ici, occasion de chute, ou encore scandalisé, vient du mot grec scandalon. Dis avec moi scandalon. Ou scandalizo en grec. Ce mot scandalon veut dire quoi? Il veut dire offensé. Il veut dire blessé. Il veut dire piégé. Il veut dire empoisonné. Le mot scandalon veut dire amer. Est-ce que tu m'entends? Ils étaient pleins d'amertume. Ils étaient blessés. Ils étaient, dis amen, empoisonné. Ah bon? Oui. Ce matin, je voudrais regarder avec nous les différentes formes de scandale ou d'offense. Parce que Jésus n'a pas pu faire à cause du fait qu'ils étaient scandalisés. Ils étaient offensés. Ils étaient amers.
Ils étaient blessés. Alors, regardons le premier type d'offense. Pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi offensés? Pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi blessés quand ils ont vu Jésus? À cause de l'esprit de familiarité. Qu'est-ce que j'ai dit? Familiarité. Familiarité. Il a grandi avec eux. Il a vécu avec eux. Et un jour, il s'éloigne d'eux. Il rencontre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le remplit. Son corps ne change pas. Non, il l'emmène dans le désert. Son corps ne change pas. Il maigrit un peu. Mais il revient du désert. Ce n'est plus la même personne. On voit la même personne, mais ce n'est plus la même personne. Jésus est rempli de l'Esprit. Maintenant, le glorieux Saint-Esprit commence à se manifester dans ses paroles, dans ses actes, dans ses attitudes, dans ses comportements. Et là, écoute bien, les gens ont un problème. C'est comme toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire que tu vas changer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que de toi peut sortir quelque chose de bon. Surtout là où tu as grandi. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire. Les aînés, comme tes propres frères, comme tes petites sœurs, comme tes oncles, tes tantes, comme le quartier, on ne peut pas croire que toi là, petit, on a grandi ensemble. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Oh petit, toi je te connais, non? Est-ce que tu sais que si Dieu veut t'utiliser dans ta famille, d'où tu viens, Dieu aura du mal à agir? Pourquoi? Parce que eux, ils n'arrivent pas à croire que tu es quelqu'un de différent. Ils n'arrivent pas à croire que Dieu peut se servir de toi. Même quand tu parles aux autres, ils disent, dans lui là, il va enseigner aux gens. Ah, mais non, on le connaît. Ils n'arrivent pas à croire ce qui s'est passé en toi. Il y a eu une rencontre, mais ils n'arrivent pas à croire que tu as vraiment changé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh. Ils n'arrivent pas à croire. Ils sont piégés. Dieu veut les visiter, mais Dieu ne peut pas les visiter. Pourquoi? Ils ne peuvent pas croire que quelque chose de bon peut sortir de toi. Mon frère, ma soeur, ils se trompent. Quelque chose de bon sortira de toi. Et ils seront bien obligés de le constater. Ils seront bien obligés de l'admettre que Christ habite en toi. Ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Ils vont devoir se rendre compte que tu es vraiment quelqu'un de différent. Si c'est à toi que je pardonne, un bon amen. Oh, dis amen. Oh. Et tu vois, ils ont commis une grosse erreur. Ils l'ont méprisé. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Quelle tragédie! Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si tu méprises le messager que Dieu t'a envoyé. Jamais! Personne ne peut recevoir la grâce si tu méprises l'instrument par lequel la grâce arrive. Jamais! Tu ne recevras rien. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont été privés de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? En fait, c'est en même temps pour toi un message d'espoir. Que quand tu vas dans ta patrie, dans la maison de ton père, de tes parents, dans ton village où tu as grandi, et on dit, oh petit toi, il n'y a rien de bon. Laisse faire, reste calme. Dieu va confirmer tôt ou tard qui t'a changé, qui t'a appelé, qui t'a établi. De toute manière, que les gens croient en toi ou pas, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle, mais les miracles ont été vus ailleurs. Tu dis, ah, mais il a fait des miracles. Lui là, c'est qui? On le connaît. L'esprit de familiarité est très dangereux et disqualifie les gens de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Blessés à Nazareth, ils ont été blessés parce que ils ont méprisé Jésus le Messie. Partout ailleurs, il était honoré. Chez lui, il a été méprisé. Pourquoi? Mais on ne peut pas croire que quelque chose de bon va sortir de lui. C'est la même chose, c'est ton histoire aussi. C'est ton histoire aussi. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire. Voilà pourquoi généralement dans ta maison, Dieu envoie quelqu'un d'autre. Dans ta patrie, Dieu envoie quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? C'est lui qui a dit, nul n'est prophète dans son pays. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est Jésus qui a dit. Parce qu'il connaît le cœur des hommes. Les gens sont tellement habitués à te voir que comme on est, ils te voient changer. Ils te disent,
elle est devenue franc. Ce frère-là, lui, il a changé. Oui, Dieu transforme les vies. Dieu transforme les cœurs. Mais les gens ne le croient pas. Alors, quel est mon point? Ce genre d'offense qu'on appelle la familiarité. Dis avec moi la familiarité. Ils ont été tellement habitués à toi. Ne sois jamais trop habitué à quelqu'un au point de mépriser la grâce que Dieu veut manifester par lui. Fais attention. La familiarité est un ennemi redoutable de la grâce de Dieu. Et ça vient tuer la foi. N'oublie pas, ils ne purent faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient offensés. Pourquoi ils étaient offensés? Ils ne pouvaient pas croire que ce gars-là, ce Jésus-là, avec qui on a grandi, était quelqu'un de différent. Et ils ont été privés de la grâce de Dieu. Quelle tragédie! Alors qu'ils avaient besoin de Dieu, Dieu n'a rien pu faire. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus le Christ. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Que faire devant ce genre de situation où on te méprise? Et même d'ailleurs, toi aussi, tu as méprisé les autres. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire avec toi. Il y a des gens même qui voulaient recevoir, il y a des gens à qui tu voulais donner certaines grâces, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé le canal, l'instrument par qui Dieu est passé. Leçon numéro 1, honore Dieu. Toujours. Leçon numéro 2, honore, respecte toujours un serviteur de Dieu. Le problème avec nous, c'est qu'on veut que le serviteur de Dieu ait une certaine forme, une certaine allure. Tu ne sais pas comment Dieu visite les hommes. En l'occurrence, Jésus, le Christ, les gens pensaient que le Messie serait un vieux comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi. Mais quand ils ont vu un petit de à peine 30 ans, un jeune homme avec la barbiche, c'est moi, Jésus de Nazareth. Petit, va laver les vêtements là-bas. Va voir tata Gertrude. Allez, Kanekuna. Or, il était le Messie. Mais il n'a pas apparu sous la forme du Messie. Parfois, le cadeau, la grâce que Dieu veut te donner n'est pas toujours conforme à l'emballage que tu attendais. Parfois, la grâce, la bénédiction de Dieu ne correspond pas toujours à ce que toi, tu te faisais. Et quelqu'un me dit, amen. Et du coup, tu te prives. Non, un conseil que j'apprends, j'ai appris et j'apprends encore. Honore tout homme. Honore toute personne. Et surtout, s'il est envoyé par Dieu, honore quelqu'un qui est établi par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois jamais trop familier au point de le déshonorer ou au point de ne plus le respecter. Ne sois jamais tellement habitué que dans ton habitude maintenant, tu commences à l'appeler d'une manière que tu n'aurais pas dû l'appeler. Ou par le prénom de l'époque alors que Dieu l'a établi dans son ministère. Est-ce que quelqu'un comprend On l'appelle Jésus de Nazareth, mais ceux qui étaient avec lui à l'époque, qui ont grandi avec lui à l'âge de 10 ans, hey, « fils du charpentier, viens !» Il est maintenant Jésus le Messie. Honore-le comme étant Jésus le Messie. Pourquoi? Sinon la grâce qu'il apporte comme Messie, tu ne pourras pas la recevoir. Que Dieu te parle ce matin. Il y a trop de choses dont on est privé juste parce que Dieu voulait te visiter, mais il n'a pas pu te visiter. Parce que tu n'as pas su reconnaître l'instrument par lequel Dieu est passé pour te visiter. Si quelqu'un me suit, dit amen. L'esprit de familiarité. Un conseil autre. En dehors des serviteurs de Dieu, honore tout homme, tout frère, toute sœur dans la foi. Honore les frères. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire du voisin qui est à côté de toi. D'ailleurs, tu ne sais même pas à côté de qui tu es. Toi, tu te dis, moi, je vois seulement le pasteur. Qui sait ce que Dieu va faire avec ton voisin? Cette personne qui est à ta gauche, à ta droite, derrière, devant toi. Quand on dit saluer les uns les autres, tu vois comment il est habillé. Je suis un peu, j'ai mis un peu flagada. Excusez-moi. Celui qui a le costume plutôt. Est-ce que tu sais que c'est du mépris? Est-ce que tu sais que ce mépris peut te coûter très cher demain? Vous regardez aux apparences. Dites, ah, oh, lui, il n'est pas pasteur. Il n'est pas. Le nombre de fois que quelqu'un me dit, pasteur, priez pour moi, j'ai dit non, je vais t'envoyer chez les frères là-bas. Non, pasteur, ce doit être vous. Mépris. Tu ne connais pas la grâce de Dieu qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous accordez tellement d'accent, tellement d'importance au titre. C'est un prophète. Ah, lui alors, ça vaut la peine. Tu méprises le frère sous lequel Dieu a déjà mis une onction prophétique, mais tu ne le sais même pas. Dieu voulait te parler par quelqu'un, mais comme tu l'as méprisé, Dieu ne parle plus.
parce qu'on ne méprise pas Dieu. Quand tu as méprisé l'envoyé de Dieu, tu viens de mépriser celui qui l'a envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Les amis, nous nous faisons piéger bêtement. N'oublie pas, il est venu chez les siens, chez ceux qui l'attendaient, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Donc ils ne l'ont pas reçu. Combien de fois Dieu t'a-t-il visité et tu as raté le jour de la visitation? Pourquoi? Tu t'attendais à une autre manifestation. Parfois, Dieu ne vient pas sous la forme que tu penses qu'il va venir. Mon frère, je parle à quelqu'un. Il ne faut pas être tellement familier que tu méprises le canal par lequel Dieu passe. Dieu parle par tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Notre génération a besoin seulement d'avoir les gens qui ont les titres. Tu vois, le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur. Je suis le frère un tel. Oh! À cause de ça, les pauvres serviteurs qui se battent là sont maintenant obligés de prendre les titres. Prophète des nations apostoliques. Prophète des nations ressuscitées. Prophète de la gloire de l'Éternel. Prophète majeur, seigneur, junior. Ils cherchent des titres dans le but d'exister. Ils cherchent des titres dans le but que toi, tu les reconnaisses. Ils te montrent une carte de visite. J'ai vu ça une fois. J'étais scandalisé. Entrepreneur, coach, prophète, junior, majeur, seigneur. Ils se donnent des titres dans le but d'être accepté. Mon ami, laisse Dieu t'approuver. Laisse Dieu te valider lui-même. Laisse Dieu te distinguer lui-même. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il a décidé de faire de toi. Toi, ne méprise personne. Je répète, ne méprise. Ne méprise personne. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Pourquoi est-ce qu'ils étaient incrédules? Ils ne pouvaient pas croire que toi, lui, pouvait être quelqu'un de différent. Je te dis que les gens seront choqués de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Voilà pourquoi, quand tu as compris ça, est-ce que Jésus a été ébranlé? Est-ce que Jésus a été déçu? Est-ce que Jésus a été choqué? Il était étonné, c'est vrai. Mais ça l'a empêché d'avancer? Non. Mon ami, avance. Oh, avance. Oh. Avance. Avance. Tous ne croiront pas à toi. Avance. Tous ne t'accorderont pas le crédit. Avance. Oh, dis amen. Oh. Méfie-toi de tes parents, de tes proches. Méfie-toi d'eux, parce que c'est eux qui ont tendance à te déshonorer sans faire exprès. Oh, toi, tu essaies de plaire à tes copines, tes amis avec qui tu étais. Mais j'ai changé, regardez-moi, j'ai changé. Ils n'arrivent pas à voir trop de familiarité. Ils n'arrivent pas à croire que quelque chose de bon sortira. Avance. Ne sois pas choqué parce que tes amis, tes frères, tes parents, tes tantes, tes oncles t'ont dit, ah, petit Longo Lacuna, peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Toi, tu peux changer. Avance. Celui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il est fidèle. Et c'est lui qui l'achèvera. C'est lui qui manifestera en son temps ce qu'il a déposé à l'intérieur de toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ne sois pas choqué. Trop de gens sont choqués parce qu'on ne croit pas en toi. Avance! On ne croit pas en moi. Et alors, Dieu croit en toi. Voilà pourquoi il t'a donné son esprit. Dis-moi amen. Là, tu es en train de parler à quelqu'un ce matin. Trop de gens doutent. Ils doutent de toi comme ils ont douté de Jésus. Avance! Dès que Jésus les a vus, il a dit, ok, j'étais seulement venu faire un tour. Bye bye. Je ne reste pas ici. Pourquoi? Incrédulité. Je suis un serviteur, un envoyé de Dieu. Dieu a des malades à guérir partout, des miracles à faire. Si vous ne croyez pas ailleurs, ils le croiront. Si on ne croit pas en toi, dans ta maison, dans ta famille, ton grand-père, ton père, mon ami, avance. Il y a des lieux où on t'attend. Il y a des endroits où tu es cherché. Il y a des endroits où on va prier. Seigneur, envoie les sauveurs. Envoie les hommes. Oh, dis amen si c'est à toi que je parle.
Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai appris à ne pas m'attendre à quoi que ce soit. Je m'attends à Dieu, un point, un trait. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Pasteur Castanou, vraiment, j'ai du mal à croire. Je ne peux pas croire que vous, vraiment, vous soyez un homme de Dieu. Vous êtes DG, vraiment. Et vous travaillez dans un pays avec un environnement, vraiment. » Il dit, « J'ai du mal. » Et il a admis que les fonctions et l'appel pastoral, il a du mal avec ça. Tu dis oui, toi tu veux que je sois très pauvre, que je sois misérable, ignorant, et d'accord, insignifiant. Mais moi, laisse-moi te dire quelque chose. J'étais au Canada, aux États-Unis, là où j'ai travaillé, au Canada, là où j'ai étudié. Et moi, j'ai vu, excusez-moi de vous le dire, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda, j'ai vu des gens qui étaient des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, avec des entreprises florissantes, avec des entreprises à gogo. J'ai vu des députés, des sénateurs, des grands entrepreneurs qui étaient des hommes de Dieu, qui étaient des prophètes, des pasteurs, des évangiles, des apôtres. Au Congo, tu n'as pas vu, c'est vrai. Mais ailleurs, il faut voyager un peu en Afrique du Sud. Il faut aller, ça existe. Je sais que ta foi n'arrive pas à croire, mais c'est ce que Dieu fait ailleurs. Et c'est ce que Dieu va faire au travers de toi et au travers de moi. Dis amen. Arrêtez ça. Arrête ça. Parce que la vérité, c'est que les gens te jugent en fonction de leur foi. Ils ne peuvent pas croire que ça existe. Hier, je regardais les images du futur temple de la chapelle des vainqueurs à Kana, à Lagos, au Nigeria. J'étais scandalisé. Là aussi, moi-même, j'étais scandalisé. J'ai dit, Seigneur, comment des hommes normaux peuvent faire des choses pareilles? Il est en train de faire un temple de 100 000 places climatisées. J'ai regardé, 100 000 places climatisées. J'ai dit, waouh. Et je vois, c'est un grand espace. Là-bas, ils ont pour ce qu'on nous appelle baptistère, là où on baptise les gens, ils ont carrément fait un immense lac artificiel. Ils ont un grand centre commercial avec des boutiques, des magasins de luxe dans le centre commercial. Nakatia église. Hein? Ils ont un grand coin restauration. Mais j'ai dit, mais ça, c'est un centre commercial comme à Dubaï, comme en France. Comme... Et ils le font au Nigeria. Ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. J'ai dit, bon, écoutez, non. Calmez-vous. Déjà, à peine on va à la base, là, vous êtes déjà choqués. Donc, mettez les caméras sur moi. Caméra, petit, mets la caméra là. Je vous en prie. Si vous êtes choqués pour le peu que vous voyez aujourd'hui, mais vous allez faire quoi demain? Parce que nous tous, on marche par des rêves. On marche par la foi. Et quand je vois ce que eux, ils font, la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas le Dieu des Nigérians. Il n'est pas le Dieu des Américains. Il n'est pas le Dieu des Français. Il n'est pas le Dieu des Canadiens. Il est le Dieu de ceux qui croient. Et le Père des croyants. Oh, quelqu'un dit amen. Oh. Il te sera fait selon ta foi. Oh. Donc quand j'ai vu. Tu vois, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu veut que tu vois juste pour augmenter ta foi? Il y a des choses que Dieu veut que tu vois juste pour étirer ta foi. Des choses que toi tu n'aurais pas cru possible. Dieu te dit, tout est possible à celui qui a la foi. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Le jour vient au Congo Brazzaville où les églises du Congo Brazzaville seront remplies des décideurs de ce pays. Où les églises du Congo Brazzaville seront remplies des politiciens de ce pays. Où des... Je vous dis que ce temps vient et il est déjà en train de prononcer. Oh, dis amen. Oh. Mais je le sais. Oui. Beaucoup sont choqués. Ils disent, on ne peut pas être pasteur puis faire ce qu'il fait. Mais demain, quand tu verras plus de 10 000, 20 000 personnes comme moi, tu vas dire que finalement, ce n'était pas une exception. C'est normal. C'est normal et c'est normal. Celui qui croit ses paroles donne un meilleur amen pour toi-même. Oh. Donc, même si toi, tu ne crois pas en moi, il y a quelqu'un qui croit en moi. Même si toi, tu ne veux pas reconnaître que je suis un don de Dieu dans ce pays, il y a d'autres qui le croient. Je ne cherche pas à savoir
qui m'aime pas. Non, j'ai dépassé ce niveau. Je me moque de qui m'aime pas. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. C'est tout ce qui importe. Oh, mon ami, quand le Père t'a approuvé et que les hommes te désapprouvent, ce n'est plus un problème. Parce que ce qui est important, c'est celui qui vit au siècle et des siècles. C'est le Papa de gloire. Quand il a dit oui, quand les hommes ont dit non, j'en ai rien à faire. Mon ami, le chien aboie et la caravane, elle, passe. Mon ami, avance pour toi. Oh, avance! 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 Sois délivré de l'opinion des gens. Sois délivré des critiques des gens. Mon ami, j'ai découvert une chose, asseyez-vous, à propos des critiques des gens. Si tu veux aller quelque part avec Dieu, mon ami, sache une chose. Le niveau d'élévation auquel Dieu te soumet détermine le niveau de persécution que tu recevras. Est-ce que tu m'entends? Qui veut être ici élevé par Dieu, par la main de Dieu? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui veut être persécuté ici? Alors recevez la persécution au nom de Jésus. J'ai dit recevez la persécution au nom de Jésus. Ah bon? Les autres sont assis et vous inquiétez pas. Quand j'ai dit recevez la persécution, je viens de faire comme Jésus. Il a dit, que faut-il dire? Faut-il dire à un enfant, tes péchés sont pardonnés? Ou bien faut-il dire à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche? Il dit, c'est la même chose. Là où les péchés ont été pardonnés, maintenant tu es guéri. Là où tu es guéri, tes péchés ont été pardonnés. Quand je dis qu'il va être persécuté, ça veut dire qu'il va être élevé. Il n'y a pas d'élevation divine sans persécution. Élevé dans un monde de ténèbres, tu seras persécuté. Ça veut dire quoi? Les calomnies, les accusations, les injures, les moqueries, on va se moquer de toi. Avance! Oh, dis amen ici! Ils ne peuvent pas croire. Un jour, ils croiront. Toi, avance! Hey. Quand Dieu a dit, je t'élève, mon ami, Dieu est fidèle. Mais il te dit lui-même que des persécutions vont venir. On va se moquer de toi. C'est normal. Tout ce que Jésus a subi, tu vas le subir. C'est normal. Accusation, persécution, moquerie, critique. Oh, on a dit, oh, Dieu, mon ami, avance. Ce qui est important. Je te le dis pour que tu sois délivré de l'opinion des gens. Regarde à Jésus. Il n'a pas été ébranlé. Il n'a pas pu faire gloire à Dieu, mais il allait faire ailleurs. Et puis le Père enverra d'autres personnes à Nazareth, mais pas Jésus. Ce n'est pas toi qu'on enverra dans ta famille forcément, mais c'est quelqu'un d'autre qu'on enverra dans ta famille. Toi, les gens sont en train de prier. Seigneur, envoie des serviteurs, envoie des sauveurs. C'est de toi qu'on parle. Oh, quelqu'un qui reçoit ces paroles, donne un bon amen. Donc tu comprends que si dans la vie on se moque de toi, s'il y a des gens qui se moquent de toi, tu es sur la bonne voie. S'il y a des gens qui sont en train de te persécuter, tu es sur la bonne voie. Oh, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Vous savez que, honnêtement, entre nous, je suis à l'aise pour parler de ces choses. Ah oui, moi je suis à l'aise. Ah non, moi je suis qualifié. J'ai un diplôme de bac plus 8 en persécutiologie, en accusologie, en calomniologie, et je suis un homme heureux. Ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Allez, Dieu m'a déjà dit, l'élévation, tu la veux, elle vient avec la persécution. Acceptes-tu la persécution? Il dit, Seigneur, je préfère être persécuté en faisant la volonté de Dieu que d'être persécuté dans la galère. Donc fais ce que tu veux, mais fais le bien. Oh, dis amen. Mon frère, ta capacité à endurer la persécution révèle ton niveau de foi. Tous tes problèmes de foi
Si tu sens que ça me fait trop mal quand il me parle, ça me fait trop mal. Je dois vous faire une confidence. Moi aussi, au début, j'avais mal. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Au début, j'avais mal. Et puis après, j'ai commencé à être vacciné. En endurologie, en forceologie. Il m'a donné la force. Et puis après, il m'a dit un jour, tu es trop orgueilleux. Ça, il m'a dit, mon fils, tu es orgueilleux. Tu dois mourir. Meurs à toi. J'ai dit, pourquoi? Je suis humble. Je ne suis pas orgueilleux. Il dit, tu fais trop attention à ce que les gens disent à ton sujet. Mais moi, ils m'ont crucifié. Mais moi, j'étais nu. Mais moi, j'ai tout fait. Pourtant, je suis Dieu. Ils m'ont insulté, injurié. Toi, tu tiens trop à ton image. Et ton image est un piège. Je dis, oh, ce jour-là, Dieu m'a délivré de mon image. Et m'a délivré du désir de garder ma réputation. Quand tu deviens un homme public, ta réputation, là, en fait, tu l'as perdue. Parce que n'importe qui peut dire quelque chose à ton sujet. Vrai ou faux, les gens vont croire, d'autres vont pas croire. C'est pas grave. Avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Il ne fit là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Mais quel genre d'incrédulité? Ils étaient blessés. Est-ce que tu te rends compte qu'ils étaient amers? Ton succès peut rendre les gens amers. Ta réussite peut rendre les gens très jaloux. Ton épanouissement peut rendre les gens aigris. Est-ce que tu en es conscient? Ah mais moi tout le monde m'aime. C'est pas vrai. Tout le monde ne t'aime pas. Là où tu as grandi là, tout le monde ne t'aime pas. Ah mais ce sont mes frères et sœurs. Ils ne t'aiment pas tous. Il y en a qui t'aiment, puis il y en a qui ne t'aiment pas. Et tu ne me crois pas? Vis encore. Tu ne me crois pas? Vis encore. Donc, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Pas perdre le sourire. Si tu regardes là, il te dit non. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ce que Dieu va faire avec toi. Tout le monde ne sera pas à l'aise. Tout le monde ne sera pas à l'aise. Ils étaient amers. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? D'où lui vient cette autorité? D'où lui vient ce miracle? Pourquoi lui? Moi aussi, on est là, non? En plus, je suis le grand frère de la famille. Lui, c'est le petit frère. Pourquoi pas moi? Tout le monde n'est pas à l'aise avec ce que Dieu va faire avec toi. Mon ami, je suis en train de te parler. Tout le monde n'est pas à l'aise. D'ailleurs, voilà pourquoi si tu n'as pas toujours trop parlé. Ne parle pas de toutes tes victoires. Et Joseph a été tué par ses frères. Enfin, ses frères ont voulu l'assassiner. Toi aussi, il se peut que tes frères veulent t'assassiner. Voilà pourquoi quand Dieu est en train de faire des choses dans ta vie, ne parle pas trop de ce que Dieu est en train de faire. Dans ta famille, là, il y a trop de jaloux. Mon frère, il y a trop de jaloux. Ton succès va les rendre amers. Miséricorde, je dis amen à ça moi-même. Or, quand ils sont amers comme ça, ils ont été piégés. Le mot scandalon veut dire être piégé. En fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils ont été empoisonné. Et la foi n'arrive plus à agir. Ils veulent recevoir les miracles de Dieu, mais ils ne reçoivent pas les miracles de Dieu. C'est comme une voiture. Elle a tout, l'essence, le carburant, tout est plein. Poum, mais elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Vroom, 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 elle n'avance pas. Pourquoi? L'accélérateur ne marche pas. Il y a un problème. La foi est en panne. La foi est morte. La foi a été neutralisée. Toutes les fois que quelqu'un est amer, piégé. Ce genre de piège-là, sa foi ne marche plus. Il dit, guéris-moi, au nom de Dieu. Ça ne marche pas. Tu as méprisé la grâce de Dieu. Parce que tu as été haï. La jalousie, l'envie, la comparaison, l'aigreur, c'est un piège satanique. Et toi, tu as te dire, au nom de Jésus, ça ne marche plus. J'ai vu des pasteurs en train de dire, oh non, ça ne marche plus. Fait que critiquer l'autre que Dieu est en train d'élever, ça ne marche pas. La foi est paralysée. Elle est morte alors qu'elle devait être vivante. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu t'accorde la grâce d'être délivré de la familiarité. Et que Dieu lève ta main. Que Dieu ce matin, quand cette parole sort, il accompagne d'une grâce. Que Dieu t'ouvre les yeux. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux.
Seigneur, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de ne plus jamais mépriser, ignorer, rabaisser qui que ce soit dans mon cœur. Mais à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce d'honorer tes serviteurs, tes envoyés. Accorde-moi la grâce de respecter, d'honorer, de valoriser tout homme, mes frères et mes sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce, Père, de regarder les gens comme toi tu les regardes, et de voir comme toi tu vois. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois cette grâce aujourd'hui pour un nouveau départ contre l'esprit d'incrédulité au travers de la familiarité. Merci Père, j'ai fait cette prière de tout mon cœur dans le nom de Jésus le Christ. Et toi tu réponds un bon. Les gens qui ont appris, je sens dans mon esprit, je te répète, ne méprise aucun frère, aucune sœur. Parce que parfois, même pour te guérir, Dieu peut sauter le pasteur. Il m'est arrivé de prier pour des gens, ils n'ont pas été guéris, mais ils ont été guéris par des frères et des sœurs de l'église. Juste pour montrer à certains que ce n'est pas le titre que Dieu honore, c'est le cœur que Dieu honore. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait la différence. C'est le cœur de l'homme de Dieu qui fait la différence. Respecte vraiment tout le monde. Apprécie tout le monde. Honore tout le monde. Et n'attends pas que l'on te rende à toi l'honneur. Avance seulement. Sois délivré de l'opinion des gens de ta famille. Sois délivré des gens de ta patrie. Sois délivré de ce que pensent les gens de ta maison. Dis Amen. Sois délivré de ce que vont dire les gens de ton quartier. Dis Amen. Si tu as reçu quelque chose ce matin, lève ta main et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole qu'il a donnée ce matin. Élève ta main, rends grâce à Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlons de la part de Dieu. La gloire n'est pas au pasteur, jamais. La gloire est à Jésus le Christ. Si tu as reçu quelque chose, que ce dépôt reste dans ton cœur, rends-lui gloire. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu, excellent Papa. Nous honorons ta parole. Nous honorons ta présence. Nous te sommes reconnaissants. Père, dans le nom de Jésus le Messie, nous te rendons gloire. Nous t'apprécions. Merci pour la parole que tu as libérée ce matin. Merci pour la force, la vigueur, la restauration que tu opères dans nos cœurs. Merci, Père, pour nos cœurs que tu changes ce matin par la puissance de ton esprit. Reçois tout honneur, toute louange, pas à nous, mais à Jésus le Messie. Sois la gloire. À Dieu seul sage, sois la gloire. Les actions de grâce, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, nous t'avons rendu grâce. Et si toi, tu as rendu grâce, donne un bon amen d'action de grâce.